Hello tout le monde, ici Charlène, bienvenue sur ma chaîne Charlène la menteuse. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de mon sourire. Voilà. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour l'obtenir. À la caméra, elles ont l'air extra blanches, mais elles sont pas si blanches que ça en vrai. Alors, j'ai utilisé un produit de la marque Crest. Crest, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui s'occupe de l'hygiène et du blanchissement des dents. Il y a 5 procédés. Parmi ces 5 procédés, j'ai choisi le Professional Effect. Voilà. La boîte se présente comme cela. Vous pouvez le faire sous traitement de 10 jours et de 20 jours. Normalement que en 20 jours, mais si vous l'achetez par exemple sur Amazon, vous pouvez trouver des traitements par 10 jours ou 20 jours parce que les personnes les vendent à l'unité. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par le blanchissement fonctionne par un procédé chimique au cours duquel la couleur est éliminée par l'oxydation des molécules responsable des tâches. Je vais y arriver. Donc, je ne suis pas du tout une professionnelle. Je ne suis pas un dentiste. Donc, voilà. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, moi, pour avoir les dents blanches. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un produit de la marque Crest, qui est une marque américaine, qui n'est pas vendue en France parce que je crois qu'il y a trop de peroxyde dedans. Alors, cette année, c'était la deuxième fois que je l'utilisais. Je l'ai utilisé l'année dernière. Je l'ai utilisé sur 10 jours. Et cette année, je l'ai refait, mais je l'ai utilisé sur 20 jours. Donc, combien de temps ça dure? Ça dure un an. Normalement, ça dure un an et c'est pas conseillé de le faire plus souvent. Je me dis, je le fais une fois par année et les résultats me plaisent amplement, assez du moins, pour pas ressentir le besoin de le faire plus souvent. Je vais vous montrer un peu comment se présente le produit. Dans une boîte de 20 jours, vous trouvez des petits sachets comme ceci. Voilà. Je vais vous en ouvrir un. Dans un petit sachet, bon, un petit sachet correspond à un jour. Et dans ce petit sachet, vous allez trouver deux bombes. Une grande et une petite. La grande servira à mettre sur les dents du haut. Et ben, la petite sur les dents du bas. Voilà, ça recouvre pas toutes les dents parce que bon, quand vous faites un sourire aussi grand qu'il soit, je pense qu'il n'y a pas toutes nos dents qui ressortent. Sinon, il faudrait qu'on sourie comme ça. Voilà. Je crois que personne sourit comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont aussi petites. Bien entendu, ça ne fonctionne pas sur les fausses dents. Donc si vos dents sont jaunes, il faudra les changer. Il ne faudra pas s'attendre à ce que les fausses dents blanchissent avec le Crest 3D. L'application est toute simple. Je vais vous la montrer juste après. Je vous explique aussi comment je l'ai utilisé et comment je l'ai vécu. Donc voilà, comme je vous ai dit précédemment, j'ai utilisé sur 10 jours dans la grande bande sur les dents d'en haut, la petite bande sur les dents d'en bas. Pour entretenir la blancheur de mes dents au cours de l'année, j'utilise maintenant le dentifrice Crest 3D. Comme ça, qu'on peut se procurer sur où déjà? Je ne me rappelle plus où est-ce qu'on peut l'acheter, mais bon, je vais trouver ça très rapidement et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'utilise ce dentifrice-là pour entretenir la blancheur au cours de l'année. Pendant le traitement, je brosse mes dents avec une brosse à dents très douce, donc elle n'a rien d'extraordinaire, c'est une brosse à dents sans marque. J'en avais acheté une nouvelle, mais elle était un peu trop agressive pour mes dents, parce que le peroxyde qui est contenu dans les bandes attaque un peu la gencive. C'est comme si on mettait de l'alcool à brûler sur la gencive, et ben ça pique quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon ancienne brosse à dents durant la durée du traitement. Pendant le traitement, j'ai pas eu spécialement de... Attention, va suivre une avalanche de sensibilisation alors que l'on doit dire sensibilité. Sensibilisation au cours des dents. Certaines personnes ont des sensibilisations. En fait, voilà, chaque personne réagit à sa façon. Pour ma part, j'ai pas eu de sensibilisation spéciale au cours du traitement. Juste une à deux fois. Durant la journée, j'ai ressenti un petit vibrement dans une des dents, mais c'est rien du tout. Ça peut faire peur comme ça, mais c'est vraiment, vraiment rien du tout. Il est recommandé, selon Crest 3D, de ne pas se brosser les dents juste avant. Mais moi, j'ai brossé quand même mes dents juste avant, mais de façon très douce, pour ne pas agresser les gencives. Et puis aussi, il faut bien placer le produit sur les dents et non sur les gencives. Parce que c'est les dents qu'on veut blanchir et pas les gencives. Je les avais mal mis les premières fois. Et avec la nouvelle brosse à dents, donc c'était un peu c'était un peu l'enfer quoi. Ça piquait.
J'avais mis un peu sur les gencives la première fois et ça piquait. Donc voilà, j'ai compris au bout du deuxième jour qu'il fallait que je l'applique sur les dents et non sur les gencives. Donc voilà, ce que je préconise, c'est un brossage doux, le mettre sur les dents et non sur les gencives. Voilà, et de faire vraiment attention quand on se brosse les dents. Et puis, je pense que j'ai tout dit. 10 ou 20 jours. Autour de la démo, je vais vous montrer rapidement comment je les pose. Voilà, vous avez un petit zoom sur ma bouche. Alors, je vais prendre la grande bande que je vais placer sur mes dents d'en haut. Bon, je vais essayer de centrer un peu le tout. Ah, bon, c'est assez dur de le faire sans miroir. Attendez, je vais prendre mon miroir que je vais mettre sur le côté. Voilà. Voilà, j'essaie de les mettre un maximum sur les dents et non sur les gencives. Vous avez pu voir que la partie qui dépassait, je l'ai rabattue derrière les dents. Et pendant le traitement, vous pouvez tout à fait parler, hein, boire ou manger. Et je pense que vous pouvez quand même vous passer de boire et manger pendant 30 minutes. Parce que le produit que moi j'ai choisi, le traitement que j'ai choisi, c'est un traitement donc sur 10 ou 20 jours et qu'on met pendant 30 minutes. Voilà. Voilà, ce que je fais, c'est que j'appuie bien entre les dents, histoire que ça soit bien collé, en haut et en bas. Voilà. Là, j'ai encore les bandes sur les dents. Comme vous pouvez voir, on peut parler. J'ai un petit cheveu sur la langue quand même, mais bon, rien de dramatique, hein. Rien de dramatique, comme je vous ai dit. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, on n'a plus qu'à attendre 30 minutes, le temps que ça agisse. Après ces 30 minutes-là, ben, vous enlevez les bandes. Moi, ce que je faisais, je me rinçais la bouche. Je ne me brossais pas forcément les dents juste après. Alors, vraiment quelque chose de vraiment, vraiment doux, histoire d'enlever un peu le produit. Et hop, j'allais dormir. Ça, c'était pour les premières fois. Je le faisais le soir. Pour cette année, je le faisais plutôt le matin parce que je me suis rendu compte que le soir, j'avais la flemme. J'ai envie d'aller dormir. Je le ferai demain, je le ferai plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, ou après je disais je vais le faire demain et ensuite je ne le faisais pas. Donc ça fait que j'étais pas vraiment régulière dans le processus, mais sachez que si vous ratez un ou deux jours, ça pose aucun souci. Surtout si vous ressentez deux, trois picotements, il suffit d'espacer le traitement de un ou deux jours, de faire une petite pause de un ou deux jours. Quoi qu'il arrive, le traitement va fonctionner. Bien sûr, si vous espacez le traitement journalier de un mois, ça n'aura pas les effets escomptés. Le blanchissement ne sera pas ce qu'il aurait pu être si on l'avait fait de façon continue sur les 10 ou les 20 jours. Si c'est espacé de 1 ou 2 jours, c'est pas grave. Si ça picote, vous pouvez arrêter 1 ou 2 jours, c'est pas grave. Ben voilà, j'ai tout dit. Hein. Voilà, j'ai fini la vidéo avec les bandes sur mes dents. Comme pour une fois, vous pouvez voir, on peut tout à fait parler avec. Certes, des fois, certaines personnes salivent. Bon, je salive un petit peu, mais voilà, si c'est gênant, vous pouvez tout à fait aller cracher. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, je ne sortirai pas avec ça sur mes dents, mais bon. Comme je vous ai dit, je le fais plutôt le matin en me préparant, parce que le matin, ben, je ne mange pas, en fait, c'est rare que je mange. Donc, en me brossant les dents vite fait, je pose les bandes sur mes dents. Ensuite, je vais me laver. Le temps que je me lave, que je me passe la crème, que je m'habille et tout, 30 minutes est vite fait d'être passé. Donc, ensuite, je les enlève, je me rince la bouche. Un petit brossage vraiment très, 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 très léger des dents. Et puis voilà. Le matin, j'ai essayé de le faire le matin parce que j'ai trouvé ça pas plus pratique, mais si plus pratique. Et au moins, j'étais plus assidue dans le programme que le soir parce que le soir, j'étais toujours fatiguée. Blablabla, finote numéro 1. Et puis voilà.
Ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris plus sur Crest 3D. En tout cas, moi, j'adore et je pense que je le referai tous les ans parce que mon blanchissement dure un an. Voilà, je pense que je le referai tous les ans. J'aime beaucoup. J'ai failli oublier de vous dire de faire attention quand vous commandez sur Internet. Comme je vous ai dit, dans chaque petit sachet, il y a deux bandes. Donc, certains vendeurs vous disent oui. Comment dire, un traitement de 20 bandes, donc vous allez penser que c'est 20 jours, mais en fait c'est 10 jours. Parce que dans chaque sachet, il y a deux bandes. Donc voilà. Donc faire attention que quand ils vous disent 20 traitements, qu'il y ait bien 20 sachets de deux bandes à l'intérieur. Donc faites très attention. En fait, la première année, j'avais fait que 10 jours parce que je me suis fait avoir. Donc j'ai commandé 20 bandes en pensant que c'était 20 jours, mais en fait c'était que 10 jours. Donc 10 sachets de 2 à l'intérieur, ce qui faisait 20. J'espère que vous avez compris. Donc bien faire attention que c'est 20 jours et non 20 bandes. Ok? Parce que si c'est 20 bandes, c'est 10 jours. Bon, si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Je répondrai sans souci. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Crest 3D est l'une des options qui peut nous aider à avoir les dents blanches. En tout cas, c'est celle que moi j'ai choisie. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, à laisser tout ce que vous avez à dire en commentaire. Et puis, je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Give me some! Je fais d'énormes bisous. Give me